Quand t'es là, t'es pas là. Vous avez deviné de quoi je vais parler dans cette vidéo? Eh ben, la voilà. Salut guys, j'ai une petite anecdote à vous raconter. Ça se passait il y a à peu près un ou deux mois. On descendait le Montréal. Puis là, à un moment donné, on voit un char rouler en zigzagant dans la rue. Sérieusement, on dirait quasiment que c'était un gars sous qui chauffait le char là. Il zigzaguait vraiment beaucoup là, c'était vraiment n'importe quoi. Puis là, à un moment donné, ma mère elle découvre que, en réalité, le char était chauffé par un gars qui textait au volant. Puis après avoir découvert ça, il y a une chose, une phrase en fait, qui m'a traversé l'esprit. Et cette fameuse phrase c'est « Non mais coudonc, on est-tu vraiment rendu avec des câbles au volant? » Sérieusement, j'arrive pas à comprendre que malgré de nombreuses pubs d'accidents d'auto, qui ont passé à la TV pour sensibiliser et prévenir les gens des dangers sur la route, il y a encore du monde qui texte au volant. Ou même d'autres personnes qui chauffent mais en état d'ébriété. What the fuck? Non! Dude, tu fais pas ça! Tu fais pas ça! La loi l'interdit! Tu peux pas faire ça, t'as pas le droit! Pis de un, si tu textes au volant, là, t'es moins concentré sur la route. Parce que tu regardes moins en avant. Faut que tu regardes tout le temps en avant. Faut que tu restes toujours concentré sur la route. Toujours. Au nom de ta vie, pis celle des autres. Pis pour qui de conduire en état d'ébriété, là? Donc, je vous rappelle que l'alcool, ça affaiblit les facultés. Ça ralentit nos sens, ce qui fait qu'on réagit moins vite aux situations de danger. Si, mettons, t'as essayé de faire une manœuvre pour éviter un piéton ou faire un face-à-face, mais que tu perds le contrôle, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Tu peux pas, c'est impossible, C'est impossible que tu sois en état d'ébriété, mais que t'ailles encore toutes tes facultés. Le pire qui peut arriver, si tu fasses un accident d'auto, qui pourrait tuer des gens ou même te tuer toi. Quand est-ce que les gens vont comprendre que les accidents de la route peuvent nous faire perdre la vie en une fraction de seconde? Tant que t'es dans ton char pis que t'es en marche, tout peut arriver. Ta vie est toujours en jeu sur les routes. Puis il serait temps qu'on comprenne ça. Puis sérieusement, le nombre d'accidents d'auto là, tue en moyenne chaque année 1,3 million de personnes. Puis il en blesse 40 fois plus. Faut jamais oublier, c'est très important, là, jamais oublier que la vie est un cadeau. Qu'il faut la conserver et non la détruire. Puis il serait temps que le monde le comprenne. Puis pour ça, faudrait que vous partagiez cette vidéo, ok? Au plus de gens possible. Même à ceux qui ont l'intention de commencer à conduire bientôt, puis qui ont un cellulaire dans les mains. Partagez-la! Partagez-la! Faut que ça cesse! Faut que ça cesse! Parce que texter au volant, c'est dangereux. C'est plus dangereux que tu le penses. Même l'alcool au volant, ça peut être dangereux. Alors, je vous dis à bientôt, guys. Puis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Puis, rejoignez-moi sur Facebook. Peace.